Bienvenue mes amis, comment ça va bien pour cette nouvelle vidéo? Vous avez vu, hein, environnement. Ça me rappelle en 1998 quand j'étais au stade et que je faisais ça avec le même, hein, la même main. Comment ça va bien tout le monde? J'espère que tout le monde va bien. Ça va être une petite vidéo. Flash info, une nouvelle, c'est la numéro 4. J'allais le faire avec ça, mais ça va être dur de faire le 4 avec la main là. Donc c'est la vidéo, le flash info numéro 4. Eh bien, je vais vous parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de la Coupe du Monde au Qatar, la Coupe du Monde de foot, bien entendu. Pas ce qui est, tout ce qui est dans l'entourage, j'allais dire, de la Coupe du Monde, mais bien au niveau du sport. Étant plus moi sur le rugby, j'aime quand même le foot et je voulais quand même faire une vidéo sur le foot et la Coupe du Monde, voir un peu ce que je vois par rapport aux équipes avant que la compétition commence. Voilà, je vais peut-être enlever les lunettes parce qu'en fait, je ne vois pas grand-chose. Ah, ça va mieux. Allez, comment vous allez bien tout le monde? Hein, la Coupe du Monde, ça arrive, l'ouverture est dimanche, la France joue quelques jours après. En tout cas, peu importe, on est là pour parler de la Coupe du Monde. Flash info, comme d'habitude. Eh bien, là, je ne l'ai pas, vous prenez un petit café, sucré ou pas, comme vous le souhaitez. Sans sucre, c'est mieux. Vous vous mettez devant l'écran et vous laissez guider par Fred Dulac 113 Medium. Par moi. Voilà. Allez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire, eh bien, à chaque nouvelle vidéo, à chaque nouveau Flash Info, merci pour le petit café qui est là. Oui, j'avais oublié le café. Bon, on va pas la refaire. Hein. C'est ça le direct. Il n'y a jamais rien qui... Tout évolue avec le temps. Même ça, vous avez vu, pas de café. D'un coup, un café, hop, et un café. Voilà, sans sucre, c'est mieux. Hein. Prenez-le sans sucre. Ouh, alors que là, ça chauffe. La bougie, ça chauffe. Hein. Le feu, ça brûle. La bougie, ça chauffe. Voilà, bon allez, on reste bien sur la vidéo, hein. Fred, commence pas à t'éparpiller parce qu'après c'est chaud patate, hein. Après c'est toujours chaud patate ou patate chaude, ça dépend, choisissez, patate chaud patate, bref, un peu de tartiflette, fondue, tout ça, c'est l'univers de Fred Dulac 113 médium. Non, mon univers, moi c'est plus la médiumnité maintenant, vous avez vu les lives, allez voir les lives, vraiment allez les voir, c'est très intéressant pour vous, vous allez voir. Toutes les capacités que j'ai, le professionnalisme. Hein. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Allez voir les vidéos, les lives. Donc, je disais, flash info numéro 4 sur la Coupe du Monde. Un flash info sur l'actualité. Donc, il y a un peu d'actualité, mais je voulais être une vidéo dans le positif. On a assez de négatifs un peu partout en ce moment. Donc, je voulais vous dire, positive attitude. Avec la positive attitude, PPA, PPA, pensée positive attitude. C'est Fred de l'accent 13 médium. C'est moi. Donc, nouvelle vidéo, nouvel oracle. Et j'ai choisi eh bien, deux oracles, un oracle et un tarot. Et je vous ferai un grand tirage sur l'évolution de la Coupe du Monde. Hein. Donc, des équipes en plus particulier, en plus spécificité. Non, comment on dit? Bon, allez, vous allez arrangez-vous, sachez-vous. Plus particulièrement pour l'équipe de France de foot. Allez les Bleus. Je suis un peu chauvin, je suis français. Et je soutiens l'équipe de France à 200%, vous avez vu? Et ça va être ça pendant qu'elle va jouer, même avant, même après. Moi, je suis un grand supporter. Au rugby, c'est pire que ça, mais au foot, ça va être pas mal quand même. Hein. Coupe du monde de rugby l'année prochaine, ouverture au Stade de France contre les All Blacks. Hein. J'espère que j'y serai. Si vous voulez m'offrir la place, je suis tout oui. Hein. C'est pas donné les places, c'est pas donné, c'est chaud patate. Bon, on en viendra, on n'est pas encore là. On est là, la Coupe du Monde de foot au Qatar. Vous avez pris votre café? Prenez votre café, allez, tranquille, on est là pour un petit moment. Et comme d'habitude, je vais poser ma main parce qu'en fait, je ne peux pas. Je suis un peu italien aussi, j'aime bien parler avec les mains et avec la main, avec l'autre main, avec cette main, la grosse main, ben, j'arrive pas à parler avec les mains. vous avez capté ce que je veux dire? Tu capito, hein? Si, tu capisci, hein? Si, va bene. Hein. D'ailleurs, l'Italie n'est pas la Coupe du Monde, pas qualifiée. Je me rappelais plus de ça et j'ai été surpris par ça. Eh bien, hein, je salue tous mes amis italiens. Hein. Voilà, ben, vous supporterez la France, la Belgique ou autre, l'Allemagne, qui vous voulez, pourvu qu'il y ait du jeu et qu'on s'amuse. On a besoin de ça, de s'amuser. Voilà, avant de faire des tirages sur la Coupe du Monde de foot, je vais commencer. Je commence toujours les flash infos par le coup de gueule. Mon coup de gueule d'aujourd'hui,
J'avais noté, hein, parce que voilà, parce que j'ai tellement de choses en moi que après je peux dériver à tout moment. Toujours dans la bienveillance et dans la positivité. Mon coup de gueule d'aujourd'hui, c'est les crèches. Encore une fois, je vais vous reparler de ça. J'avais déjà eu un coup de gueule sur ça. Alors bientôt, hein, les fêtes de fin d'année arrivent. Comment il disait, je voulais retrouver ça parce que c'était important. Mais du coup, je ne sais plus en tout cas. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas possible. Ça, c'est mon gros coup de gueule. C'est pas possible les fêtes de fin d'année, qu'on appelle ça fête de fin d'année, on appelle ça la fête de Noël. D'accord? C'est vraiment Noël. Noël, c'est quoi? C'est la naissance de Jésus. Il y a Marie, il y a Jésus, il y a tout ce qui comporte les catholiques, il y a tout ce qui comporte, tout ce qui est dans le catholique ici sur Terre. Moi, je suis connecté sur Terre, je suis connecté à là-haut, et je peux vous dire que tous ceux qui doutent, tous ceux qui ne sont pas d'accord, c'est votre choix, mais n'interdisez pas ça sur Terre. On a déjà assez de mal à se repérer à quelque chose, faut se retenir à quelque chose, on a du mal à trouver à quoi. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut vraiment y croire, parce que vous ne les voyez pas, mais moi, je peux vous dire que les saints sont là, les guides sont là, les anges sont là, Marie est là, Jésus est là, et vraiment, la France est catholique depuis des millénaires. La France est catholique. On ne peut pas enlever les crèches comme ça. Ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas pour ça qu'on est malveillant avec les autres, avec les musulmans, avec les juifs, peu importe de quelle religion nous sommes. Une religion, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, c'est très important. La religion, eh bien, c'est bienveillant avec tous. À partir du moment où quelqu'un donne de la bienveillance, de l'amour, de l'entraide, on s'en fout du reste. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, je suis plus Jésus, je suis plus Marie, je suis plus catholique, bien sûr. Voilà, je vais tout le temps dans les églises, je prie tout le temps pour vous. Je sais que les prières, ça vous aide, ça vous guide, ça vous soigne même. Je fais appel aux saints, je ne vais pas re-rentrer dans tout ça. En tout cas, il ne faut pas enlever les crèches. C'était mon coup de gueule sur cette vidéo. On n'enlève pas les crèches, que ce soit n'importe où. On est en France, ici, ce sont les crèches. Et d'autres choses aussi, bien entendu, que chacun donne de l'amour. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Et de cette vidéo, vous me direz, hein, sous la vidéo, avec bienveillance, attention, je vais veiller, hein, maintenant, tout commentaire négatif, je vais veiller. Et bienveillance et amour, même dans les commentaires. Voilà, ça c'est dit. D'accord? Oui, on est catholique depuis des lustres. Depuis des lustres, j'aime bien ce mot. Pas des lustres qu'on. Hein, vous savez, hein, on peut appeler ça des lustres qu'on. Les petites ampoules qu'on met au plafond, c'est des lustres, mais on est aussi catholique depuis des lustres, depuis des années, des millénaires. Je sais pas si le mot s'écrit pareil, mais je crois bien. Voilà, allez, interdire les crèches. Non, 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 pas interdire les crèches. Voilà, on respecte les traditions, les nôtres en France catholique et celles des autres aussi, celles des autres aussi. Quand je vais dans les pays musulmans, je respecte leur tradition, et puis voilà, ça se passe comme ça toujours quand il y a amour et bienveillance. Voilà. Allez, qu'est-ce que je voulais passer à quoi maintenant? Ça j'ai dit, ça j'ai dit. Allez les bleus, allez les bleus. La compétition commence bientôt, l'ouverture c'est dimanche, et du coup ça va être chaud patate. On va faire un grand tirage avec l'oracle et le tarot que j'ai là. Et je vais voir un peu au niveau France et au niveau d'autres pays, un peu comment ça va se passer au niveau du sport. Hein. Là, je parle vraiment du sport. Voilà, même si vous ne connaissez pas trop le sport, restez bien branchés. Écoutez ce que je vous annonce. Et puis, comme ça, vous pourrez un peu voir ce qui arrive ou pas. Alors, attention, le sport, je voulais vraiment insister là-dessus. Le sport, c'est un peu comme la politique. La politique, c'est un peu comme le sport. Je vais faire des prévisions. Je vais vous dire un peu qui je vois arriver, qui je vois passer. Et il y a toujours des orientations possibles parce que voilà, le sport, la politique, tous les milieux où il y a un peu d'argent comme ça, eh bien, il y a toujours un peu d'orientation possible. Mais quand même, je vais vous prendre ça avec des pincettes. Je vais m'amuser à ça. Ce n'est pas d'amusement. Je vais essayer de vous dire, je vais vous dire quelles équipes vont évoluer dans la compétition. C'est pour ça que plusieurs fois par semaine, je ferai des petits flash infos comme ça. Pas des flash infos, des petites vidéos tranquilles, tranquillou. Pour vous dire un peu mes prévisions sur les matchs qui vont se dérouler. Pas au début parce qu'il y a beaucoup d'équipes, mais quand on va arriver plus en huitième, en quart, je vous dirai un peu
comment ça se passe. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Voilà. Voilà, ça. Oui, fan de rugby. Hein. Fan de rugby, je vous l'ai dit. Ouais, oui, je vous l'ai déjà dit. Ben oui, c'est comme ça. Donc, là, on va parler de qui? On va parler de la France, on va parler du Brésil, on va parler de la Belgique, l'Allemagne, Portugal, voilà, les grandes équipes. Je pense qu'il ne va pas avoir trop de surprises. On va voir avec les tirages. Ça va être vraiment. Je pense que la France va faire un long chemin, le Brésil aussi. Et je pense que ça va être chaud patate après avec la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre. On va voir un peu. Voilà, on va voir un peu tout ça. J'ai rien oublié. Non, allez, ben on est parti. Alors, j'enlève un peu tout ça, hein, parce qu'il faut quand même faire des tirages. Je suis là pour ça. Ah, je voulais vous faire une petite phrase pour vous, là, avant de démarrer. Pas pour vous. On fera la petite phrase à la fin. Je vais faire une petite phrase pour l'équipe de France de foot, voilà, pour la compétition. Tiens, le message pour eux, ça c'est quoi? On va voir avec Interroger l'univers, le livre oracle de Sandy Lagdar. Je lui fais un petit coucou à Sandy. J'utilise toujours ton livre et je l'ai repris aujourd'hui parce que je le trouve bien. Le message. Ça, c'est un message qui vient de là-haut pour l'équipe de France de foot. Vous avez vu, regardez bien. Je fais comme ça. Allez, je prends au hasard. Je regarde pas, je ferme les yeux et je prends là. D'accord? Vous avez vu? Et je vous lis. La peur ne vous aidera pas. Ouh, le message, il est déjà chaud, hein. Regardez. La peur ne vous aidera pas. Est-ce qu'on voit bien? Faut pas que. Il y a les bougies. Il y a les bougies. La peur ne vous aidera pas, hein. Ah, les bleus ont peur? Non, les bleus ont jamais peur. C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Faites du lac, d'accord? Allez, je mets ça là. J'enlève les bougies bleu, blanc, rouge. Vous avez vu bleu, blanc, rouge? Je fais exprès, hein. Et le cœur qui est là, parce qu'on soutient l'équipe de France et je soutiendrai toujours l'équipe de France, d'accord? Allez, je le mets où? Ah, ben, je vais le mettre là. C'était pas prévu, ça, mais c'est comme ça. Allez, je demande aux anges et aux guides de protéger les tirages, l'oracle. De me protéger moi et de répondre aux questions. Voilà, on va faire des petits jeux rapides, des petits tirages rapides à deux cartes avec l'oracle et avec le tarot. Le tarot avec les lames majeures. Hein. Je vous ferai un jour une vidéo vraiment avec un tarot général, avec les lames mineures aussi, mais là c'est plus complexe, il faut être concentré, ça prend plus de temps et voilà, la vidéo durerait 2 heures. À moins que vous voulez rester avec moi 2 heures, vous me le direz en commentaire. Dans ce cas-là, je vous ferai une vidéo de 2 heures si vous voulez avec le tarot. Pousser, vraiment avoir les lames mineures et majeures, avoir toute la famille, quoi, les majeures, les mineures et autres. Allez, je demande aux anges guides de protéger le tirage, de me protéger moi et de répondre aux questions. On y va. Premièrement, j'avais dit quoi? Alors, je vous ai parlé, la France, ah, j'ai oublié l'Argentine aussi, le Brésil, l'Allemagne, des gros pays, hein, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, tout ça c'est des gros pays, le Portugal, j'embrasse tous mes amis, tous mes amis portugais, tous mes amis et amis, amis et autres, de tous les pays, de toute façon la Belgique va faire mal cette année aussi, je pense. Ça va être chaud la compétition, ça va être chaud patate. Allez, est-ce qu'il va avoir des surprises? Première question que je voulais faire, est-ce qu'il va avoir des surprises? On va faire ça en deux cartes à chaque fois avec l'oracle. C'est parti, je coupe, hop. Et la première carte, c'est quoi? Est-ce qu'il va y avoir des surprises? La réponse, c'est ça. La réponse, c'est de l'échec. Il va y avoir des échecs. S'il y a de l'échec, il y a des surprises. D'accord? C'est très important. Premier renseignement. Hop, je la laisse là, la carte. Comme ça, vous voyez un peu, même si on voit plus moi. Il va y avoir des échecs, il va y avoir des surprises. Et du coup, il va y avoir quoi? Il va y avoir le baiser caché. Bah, je n'arrivais pas à voir. Du coup, je n'arrivais pas à voir, mais c'est bien le baiser caché. Voilà, le baiser caché ici. Eh bien, hop, ici peut-être c'est mieux. Voilà, il faut que je me mette plus bas, je n'ai pas l'habitude de la caméra là. Le baiser caché, ça montre qu'il y a une équipe qui va faire la surprise. Ah, c'est pas ce qu'on m'avait dit au départ. Donc vous voyez déjà une indication, une équipe, une plus petite équipe, peut-être une équipe moins connue, va faire la surprise. Premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce qu'on dit? Bon, bah allez, la France. La France, est-ce que ça va bien aller ou est-ce qu'elle va avoir des difficultés pendant les premiers tours là? Voilà. D'accord? Allez, on reprend. C'est parti. Je coupe ici. Hop. Et je vous mets les cartes. La France. Au niveau de la France, c'est quoi le message? La décision. La décision. Voilà. Hop. Oui, ici. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit bien? Peut-être pas trop bien parce que je la prends de la main gauche. Alors, je vais faire de la main droite, ça sera mieux.
la décision. Donc la décision, eh bien, ça montre que l'équipe de France ne va pas là-bas pour jouer aux marionnettes. Voilà. Et le pardon. Ah, le pardon montre, attention, il peut avoir un incident à un moment donné. Un incident à un moment donné. D'accord? Un incident. Donc, attention, il faut être concentré. Il ne faut pas prendre les plus petites équipes pour des rigolos parce que ça peut mal se passer. Bon, ça devrait aller quand même. Moi, je prédis qu'ils vont passer ce premier tour. Voilà. Et on va faire deux cartes. Allez, deux cartes pour chaque équipe un peu pour savoir l'évolution. Donc, on a fait la France, on a vu que ça a avancé. L'Argentine. Allez, je vais faire l'Argentine rapidement. Deux cartes comme ça pour vous. On a quoi l'Argentine? Pays imaginaire. Ah, j'ai dit de la main droite. Pays imaginaire ici. Est-ce qu'on voit bien? Impeccable. Pays imaginaire. Ça montre quoi? Ça montre que l'Argentine, il faut toujours s'en méfier au foot. Au foot, ils sont très un peu comme les Australiens, voilà, en rugby. Hein. L'Argentine est toujours là. Ils sont toujours là parce que ça joue au foot. Ils jouent bien au foot, l'Argentine. Et le soutien est là. Ça veut dire qu'ils vont passer ce premier tour aussi. L'Argentine. Voilà. Regardez le soutien qu'elle a. On voit bien. Hop, un peu plus haut. On me dit un peu plus haut, un peu plus bas. Hop. Est-ce qu'on voit bien? C'est bon. Allez, ça sera bon. Le soutien. D'accord? Donc, eh ben, l'Argentine sera là également. Elle va avancer. Le Brésil, bien sûr. Allez, on va demander au Brésil, comme ça, juste pour rigoler, parce que le Brésil, ça va être chaud patate. Le jugement est là. Attention, ils ne vont pas faire de cadeau. Hein. Le jugement à ce moment-là, ici, on voit bien, plus bas. Le jugement, ça marche tout de suite pour le Brésil. Hein. La caméra, elle est fixe, parce qu'on regarde bien le Brésil. Le jugement, ceux qui ne vont pas faire de cadeau. Attention, ça va jouer au niveau du Brésil. Amour véritable. Amour véritable au niveau du Brésil, regardez, impeccable, impeccable, parce que le Brésil va passer. Attention, ils vont jouer, hein. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud patate pour le Brésil. Voilà, au niveau de l'Allemagne, je vais faire deux cartes pour les grosses équipes. L'Allemagne, on est parti encore, la famille Darling. Famille Darling, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, eh bien, l'Allemagne est toujours là, est toujours présente. Pourquoi? Parce que c'est du costaud. L'Allemagne, c'est vraiment du costaud. Avec 100 nouvelles. Ah, attention, 100 nouvelles, ça montre qu'à un moment donné, c'est pareil. Il faut vraiment, 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 vraiment faire attention. Pas trop se la jouer, pas trop être au-dessus des autres. Parce qu'après, il peut avoir des surprises. 100 nouvelles, ça montre, attention, ils peuvent avoir un petit souci à un moment donné contre une équipe, l'Allemagne. D'accord? Allez, l'Angleterre, on va passer à l'Angleterre. Je fais vite pour pas que ça dure trop longtemps. La vidéo, voilà. L'Angleterre, le baiser caché aussi. Attention, le baiser caché, ça montre qu'il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché et ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire attention de ne pas être surpris. D'accord? Ouh, ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que là, il y a la tromperie. Donc, l'Angleterre, c'est pas bon pour eux. L'Angleterre, attention, il va falloir jouer. Il faut pas se laisser mener. D'accord? Allez, on verra. Ils vont peut-être passer le premier tour, je pense aussi. Peut-être une surprise à voir. Là, on voit que c'est quand même un peu pas facile pour l'Angleterre. D'accord? Voilà. Je voulais finir par celui-là en dernier. On va faire l'Espagne. L'Espagne, toujours très grosse équipe. Hein. Les Espagnols, ils sont toujours là aussi au foot. Hein. Toujours là. Pas au rugby, mais au foot, ils sont là. L'enfant intérieur, voilà. L'enfant intérieur, ça montre que l'Espagne, ce sont des footballeurs. Ce sont des joueurs de foot. Voilà. Donc, ils seront là. Hein. Enfant intérieur, ça montre que c'est une équipe costaud et elle sera bien là. Ah, elle sera bien là, mais quand même, regardez, un peu comme l'Allemagne, un peu comme l'Angleterre, la tristesse. Et la tristesse, ça montre, attention, de ne pas se faire surprendre, de ne pas arriver avec les gros sabots, comme on disait avant, et se faire surprendre. Donc, c'est pas trop bon non plus pour l'Espagne. Méfiat, comme j'ai l'habitude de dire, méfiat. Ça peut être tendu du slip aussi, j'ai l'habitude de dire ça. Allez, on va faire le Portugal. Le Portugal maintenant. Hein, vous avez vu la Fatima ici, la Fatima qui va soutenir le Portugal, hein. Bien entendu, c'est obligatoire. Ça. Le jugement, ils ne vont pas faire de cadeau le Portugal, c'est une grosse équipe aussi, ça joue au foot le Portugal. Voilà, allez, je fais rapidement le jugement. Vous avez vu le jugement qui est là, donc ça montre que. Eh bien, ça montre que, ils vont être là et réponse au fond de soi. La réponse au fond de soi, ça montre quoi? Hop, alors on voit bien, est-ce qu'on voit bien? Impeccable, réponse au fond de soi, ils vont être là. Les Portugais vont être eux là. Ils vont être eux là. Voilà. Allez, on finit avec une dernière équipe. Et cette équipe, c'est qui? C'est pour moi mon favori. Le favori de la compétition pour moi.
Je salue tous mes amis belges. Bien sûr, je vais parler de la Belgique. Pour moi, c'est une grosse équipe qui va. Ça va être dur à les faire bouger. Ils vont être forts en défense, très forts en attaque. C'est vraiment, vraiment, vraiment une équipe, l'équipe surprise pour moi. On va voir avec les cartes. Moi, c'est ce qu'on m'a déjà dit. On va voir s'ils confirment là, à l'heure actuelle, juste avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. La fenêtre fermée. Ah, il reste. Les Belges, en général, ils sont pas expansifs, un peu comme le Brésil, comme l'Argentine, même comme la France. La Belgique, c'est plus, voilà, c'est plus fermé, un peu la fenêtre fermée. Ils montrent pas trop leurs émotions, mais par contre, ils sont performants. Eux, c'est toujours dans la performance, d'accord? Voilà. Et pour finir, incertitude. Ah, eh ben dis donc, c'est chaud, hein? C'est chaud parce que c'est pas forcément ce qui va arriver. Voilà, l'incertitude. Moi, ça reste mon favori quand même. On verra. Mais il y a de l'incertitude. Donc, ce n'est pas gagné non plus pour les Belges. J'embrasse tous mes amis belges de la Belgique. Voilà. On est bien. Ah, yeah. C'est fini. Allez, je vais faire quand même un dernier tirage. Un dernier tirage sur la France. On revient pour la France avec le tarot. Et le tarot. Et vos tarots. Oui, j'allais oublier, bien sûr, vous me direz en commentaire, dites-moi en commentaire, vous, tous ceux qui regardent ma vidéo, dites-moi en commentaire quelle est votre équipe favorite, qui vous voyez, alors pas les quarts, pas les huitièmes, pas les quarts, pas les demi-finales, dites-moi qui vous voyez gagner cette Coupe du Monde de foot, dites-le-moi, vraiment, en commentaire, dites-moi, voilà, France, Argentine, Portugais ou autre, d'accord? Allez, deux cartes, la France alors, et la France, est-ce qu'elle va gagner? Allez, ça n'a pas commencé. Et je vais poser quand même la question. Est-ce que la France va gagner cette Coupe du Monde? On pose la question avec le tarot. Avec le tarot de Marseille. Voilà, le tarot de Marseille. Hop. Le tarot de Marseille. Allez, je coupe. C'est parti. On y va. On a le battleur et on a l'impératrice. Allez, je vous montre le battleur ici. Le battleur qui est là. Est-ce qu'on voit bien? Voilà, donc le battleur, ça monte toujours, il y a de la performance. L'objectif est là. On atteint l'objectif. Le battleur avec ce tarot-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on atteint l'objectif. Les Français, la France va atteindre son objectif. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est le huitième, les quarts, les demi ou la finale. En tout cas, pour moi, je maintiens qu'ils vont aller loin dans cette compétition à ce moment-là, au moment donné. Et on a l'impératrice, je vais vous la montrer comme ça, l'impératrice. Hop. Je vais vous la montrer comme ça. Voilà, comme ça. Est-ce qu'on voit bien? C'est bon? L'impératrice, et on va finir avec cette carte pour le foot et tout ça. L'impératrice, ça montre quand même que ça va pas être parfait, j'allais dire. Pourquoi? Parce que l'impératrice au tarot, la carte était à l'envers. Et moi, je fais les cartes à l'envers. Il y en a qui ne le font pas. Moi, j'aime bien. Je ne le fais pas tout le temps. Mais là, je le fais parce qu'on a besoin de précision. Vraiment beaucoup d'être précis, précis. Et ça montre que l'équipe de France, ça ne va pas être parfait. Ça va être un peu à l'arrache. Ça va être un peu comme d'habitude. On a l'habitude. Hein. Ça a toujours été un peu comme ça. Comme en 98. C'était comme en l'autre Coupe du Monde, je ne sais plus l'année. Bref, peu importe. Ça va être bon, mais ça va être chaud patate. Voilà pour ce qui est de la Coupe du Monde. Je vous remercie tous d'avoir été présent. Je vais finir. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ah, j'allais vous dire. J'ai failli oublier quelque chose de très très important. C'est quoi? C'est vérifier vos abonnements sur YouYou, s'il vous plaît, tout le monde. Vérifiez vos abonnements sur YouYou. Parce qu'on désabonne, je ne sais pas pourquoi. Donc vérifiez si vous êtes bien abonné. Vérifiez si vous avez la cloche pour la notification. Je vais y arriver. La cloche pour la notification. Comme ça, quand je fais des lives, quand je fais des vidéos, eh bien, on vous prévient. On vous prévient qu'il y a une vidéo, une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Voilà, vérifiez ça et vérifiez surtout vos abonnements, puisque là, il y en a beaucoup qui sont en train de vérifier. Et voilà, vérifiez. Voilà, merci, merci, merci. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Pas de live YouTube, pas de live YouYou samedi. Samedi, je suis au repos. Hein, on a eu une grosse soirée hein, samedi dernier. J'ai besoin de repos pour me régénérer tout ça, régénérer les cellules. Même pour moi. Voilà, même pour moi, hein. Toc, 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 toc. Donc samedi, un repos pour tous. Vous regarderez, je ne sais pas ce qu'il y a
Profitez-en pour sortir un peu, pour vous régénérer. Voilà, ça va faire du bien. Mais de futurs lives arrivent sur l'autre réseau social, sur YouYou et des autres vidéos. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Voilà, ça j'ai dit. Je continue à répondre à vos mails, tout ça. Je fais des consultations en privé, très important. Contactez-moi par mail, freddelac113@gmx.fr. C'est ici, ici, là, ici, ici, ici. Voilà, ici, là. Oui, il est là. De toute façon, vous savez, je vous le mettrai sous la vidéo. Je fais des consultations privées pour répondre à vos questions et je continue à répondre à tous. Voilà. J'ai rien oublié. Si, les t-shirts, ben, ça se prépare, je vous redirai. Et bien sûr, le jeu concours. Dépêchez-vous, il ne reste pas beaucoup de jours. Le jeu concours Fredelac 113 Medium avec Essence Mana. Le plateau de rechargement, je ne vais pas vous le remontrer. Inscrivez-vous, vous avez le lien partout. Partout, vous avez le lien pour vous inscrire. Inscrivez-vous si vous voulez participer et gagner. Voilà, j'ai fini. C'est bien, Fred. C'est bien, Fredoche, comme on me dit. Ou c'est bien, mon grand Fredo. Ou c'est bien, Fred. Voilà, j'embrasse tout le monde. Je vous embrasse tous. Je vous dis à bientôt. Je vais remettre les lunettes et on va finir avec la fiesta. Parce que, allez les bleus, et je leur dirai encore. Allez, je ne vais pas faire ça pendant 2 heures. Merci à tous. On met la musique. Ah non, je voulais. Ah, pas possible, pas possible. Une petite phrase pour vous, tiens. Une petite phrase pour vous qui regardez la vidéo là. C'est quoi la petite phrase? Allez, je ferme les yeux parce que vous allez dire, je regarde. Allez, allez là. C'est quoi cette petite phrase pour vous? Se tourner vers les autres n'est pas un signe de faiblesse. Eh oui, se tourner vers les autres n'est pas un signe de faiblesse. Il faut aller vers les autres. Il faut s'entraider les uns les autres. C'est très important, surtout à l'heure actuelle. Très beau message. On y va. Hop. Oh, j'avais soufflé sur la bougie. Non, merci pour le cadeau. Hein. Merci, merci. Le petit hop. Regardez si c'est pas beau ça. Regardez. Regardez, ça marche bien. Merci pour le cadeau. Super. Hein, ça marche bien. Allez, je vous embrasse tous. On met la musique et chaud patate. Et chaud la patate. Ciao, ciao. Allez les bleus! 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 Allez, allez les bleus, allez les bleus, allez. Allez, on va faire jusqu'au bout. Allez les bleus, allez les bleus, allez. Allez les bleus, je sais pas si c'est un signe, ça s'est arrêté. Allez les bleus, allez. Ciao, ciao, je vous remercie. Ciao à tous. Encore une musique? D'accord, vous en redemandez? Eh bien, allez. Ciao, ciao, à bientôt.